Considérant le caractère divisionniste et incendiaire, clarosiste, qui sont de nature à saper l'unité et des cordes des virus en particulier, observer isolation, violence qui ont déjà endeuillé des familles entières et provoqué d'autres physiques et morales des citoyens burundais, observant le cynisme et le sadisme ont caractérisé l'attitude de Pierre Nkurunziza à l'égard du peuple burundais en souffrance, l'intrusion des forces négatives et des groupes armés à la solde du pouvoir Nkurunziza, qui se sont déjà montrés actives dans les relations en cours au Burundi, considérant l'utilisation des forces négatives au Burundi constitue une menace de déstabilisation grave, non seulement du Burundi, mais aussi des pays voisins et de la région entière, considérant que le Burundi, sous le régime Nkurunziza, a été marqué par des actes de vandalisme des ressources nationales au sommet de l'État, des crimes de sang innommables et des violations massives des droits humains, considérant la dégradation inquiétante de l'image du Burundi et des relations entre le pays et organisations partenaires, considérant la paupérisation vertigineuse de la population burundaise durant ces 10 dernières années, considérant la dégradation inquiétante des relations entre la population et les corps de défense et de sécurité mises à nu durant ces 2 dernières semaines de violence, avec comme conséquence grave l'atteinte à la cohésion de ces mêmes corps, vu l'urgence de sauvegarder l'unité du peuple burundais dans son ensemble et l'impérieuse nécessité d'assurer l'intégrité et la souveraineté de la nation, vu les situations de violence et de renouer processus politique et démocratique sain dans un climat sain, en toute indépendance et en toute intégrité, le peuple burundais décide de sauver sa très chère patrie et déclare: les forces vives de la nation décident de prendre en main la destinée de la nation pour parier à ce climat d'inconstitutionnalité dans lequel le Burundi est plongé. Les forces vives de la nation refusent avec vigueur et ténacité le troisième mandat du président Nkurunziza conformément à la Constitution et l'accord d'Arusha. Le président Nkurunziza Pierre est destitué de ses fonctions. Le gouvernement est dissous. Les secrétaires permanents des ministères assurent les affaires courantes des ministères. Il est demandé aux commandants des régions militaires, aux commissaires régionaux et aux gouverneurs de travailler main dans la main pour renforcer la sécurité de toute la population burundaise et de toute personne étrangère résidant en visite ou en transit au pays dans le strict respect des droits humains. Il est demandé à toute la population manifestant et autres de respecter la vie et les biens d'autrui. Il est prié à tous les acteurs politiques, la société civile et les confessions religieuses de garder la sérénité. Au regard de la situation sécuritaire névralgique du pays, il est institué un comité pour le rétablissement de la concorde nationale temporaire ayant pour mission d'initier un nouveau processus de gestion du pays, des institutions nationales et la reprise du processus électoral dans un climat apaisé et sain. Le comité pour le rétablissement de la concorde nationale s'engage à travailler sans délai avec les acteurs politiques, la société civile et les confessions religieuses pour prendre les mesures de redressement de la vie nationale en commençant par les plus urgentes. Le comité pour le rétablissement de la concorde nationale met en garde tout fauteur de troubles agissant individuellement, collectivement et ou en bande organisée. Le comité pour le rétablissement de la concorde nationale à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la sous-région et aux pays amis, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, de continuer à soutenir et à accompagner le pays dans les moments particulièrement difficiles et les invite à soutenir les forces de défense et de sécurité engagées dans diverses missions de maintien de la paix. Le comité pour le rétablissement de la concorde nationale demande à tous les Burundais
de se lever comme un seul homme pour soutenir cette action salutaire. Ainsi fait et signé à Bujumbura le 13 mai 2015, président du comité pour le rétablissement de la concorde nationale, général-major Léon Barigo de Froid. Je vous remercie.